Joël Genazzi, on avait l'impression que vous aviez tout en main après deux tiers temps. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce dernier tiers? Ouais, je pense que aussi nous, on avait l'impression que ça allait pas mal ce soir, mais on sait tous que ça dure 60 minutes. Et puis on savait que s'il marque un but ici avec le public, ça donne de l'émotion, ça donne de l'énergie pour Rapperswil. Et puis ouais, c'est un peu notre faute là. On a 5 minutes de power play, on n'arrive pas à marquer, on encaisse en plus. Donc ouais, c'est dur, c'est des moments importants. On n'a pas réussi de maîtriser. Donc maintenant, c'est à nous de rester confiants et regarder en avant. C'est un scénario qui s'est déjà produit plusieurs fois cette saison. C'est compliqué pour vous de tenir le score? Oui, c'est clair que c'est un problème. On travaille dessus. J'ai l'impression qu'on est devenu un peu nerveux ou bien paniqué un peu, mais pas trop non plus. Faut leur donner du crédit. Ils ont cru jusqu'à la fin, puis ils ont pu gagner ce match. C'est clair que c'est notre faute, ça. Il faut pas balayer devant notre porte. C'est notre faute à nous. Et puis, faut regarder en avant. OK, c'est simple. On n'a pas le choix. On ne peut pas rester par terre. On ne peut pas laisser les têtes par terre. Il faut regarder en avant, avoir la confiance, y croire dans le groupe. Et puis après, ça va aller. Merci bien.